بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين إمام المرسلين نور الأنوار سيد الوجود وعلى آله وصحبه وسلم. Aujourd'hui, inshallah ta'ala, je vous ai apporté une recette pour les ouvertures. Les gens qui veulent avoir des ouvertures, les gens qui veulent avancer de leur vie, les gens qui veulent sortir carrément du cercle de la pauvreté, avoir des opportunités pour avoir du travail, pour avoir de l'argent d'une manière très licite, inshallah ta'ala, le secret est pour vous. Si vous pratiquez la recette au bout de 7 jours avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous allez sentir déjà des changements autour de vous avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens qui me contactent tous les jours. Je suis bloqué, voilà, j'ai des problèmes, tout ce que j'entreprends, ça ne marche pas. Il n'y a rien de plus facile, rien de plus efficace que les secrets d'ouverture que je donne ici. Ça demande quand même le minimum d'effort. Si vous ne savez pas écrire, sûrement autour de vous, dans votre famille ou bien dans vos connaissances, vous connaissez quelqu'un qui sait très bien écrire. Arrangez-vous avec la personne vous fait les écritures et vous faites la recette comme j'ai dit textuellement. Inch'Allah ta'ala, vous allez voir des résultats. Des résultats qui seront positifs de votre côté, Inch'Allah ta'ala. Il n'y a pas un seul jour que je ne reçois pas un appel pour un témoignage d'une recette qui a été utilisée. Que ce soit les recettes de protection, que ce soit les recettes d'ouverture. Il y avait une recette que j'avais donnée sur la khalqu samawati wala akbar min khalqi nas, walakin aksara nas la ya'lamun, qu'on devait écrire 175 fois avec les pièces de monnaie et vous vous lavez tous les jours avec. Aujourd'hui même, j'ai eu un témoignage d'une personne me disant que c'est vraiment une recette très efficace et avec la grâce de Allah, ça lui a rapporté beaucoup d'argent. Donc, les recettes sont pour vous. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, quelqu'un qui marche dans la forêt ou bien dans la savane. Arrivé à un moment, la personne a soif et la personne a devant lui un puits, les puits là qui contiennent d'eau. Et il y a un instrument avec lequel la personne peut puiser de l'eau pour boire. Si cette personne-là reste là-bas jusqu'à mourir, c'est la personne même qui a voulu mourir. Parce qu'il y a toutes les conditions pour que la personne puisse boire de l'eau et continuer sa vie. Donc les recettes sont pour cela. Vous voyez les recettes tous les jours sur Internet. Vous ne les utilisez pas, vous ne pouvez pas savoir ce que la recette donne. Alhamdulillah, mashallah. Nous, on utilise les recettes tous les jours. Donc, tout ce qu'on vous dit à travers les recettes, c'est bien réel et c'est de la connaissance. Voilà, si on ose exposer de la connaissance sur Internet, c'est parce qu'on est sûr que ça a été vraiment très bien. Il n'y a aucun critère sur ce qu'on donne. Alhamdulillah, mashallah. Donc, nous vous prions solennellement de bien vouloir utiliser les recettes. Parce que c'est pour uniquement votre bien, Inch'Allah ta'ala. Vous pouvez également suggérer les vidéos à vos amis qui pourront utiliser également les recettes, Inch'Allah ta'ala. Donc cette recette est une recette d'ouverture qui est vraiment très puissante, qui marche à tous les coups. Peu importe votre âge, peu importe le niveau de difficulté dans lequel vous vivez, peu importe votre degré de pauvreté, peu importe votre situation, que vous soyez bloqué de partout, veuillez utiliser la recette et vous allez voir un miracle au bout de 7 jours, Inch'Allah ta'ala. Alors, pour utiliser la recette, Inch'Allah ta'ala, vous devez écrire Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa sallim. Vous écrivez Nasrum minallahi wa fathu kharib. Nasrum minallahi wa fathu kharibun, une ouverture proche. Vous l'écrivez 70 fois. Inna fatahna laka fathan mubinan. Vous l'écrivez 70 fois.
Isa jaa nasrullahi wal fathu, vous l'écrivez 70 fois. Et le carré que vous voyez, entouré de nasrun minallahi wa fathu kharib, inna fatahna laka fathan mubinan, Isa jaa nasrullahi wal fathu, vous l'écrivez une seule fois. Vous mélangez le tout dans de l'eau et avec cette eau, vous vous lavez. Incha'Allah ta'ala, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, si vous vous lavez avant la fin des 7 jours, vous allez voir, incha'Allah ta'ala, des nets changements. Les changements ou bien l'effet des lavages pourront se voir à travers des rêves que vous allez faire, incha'Allah ta'ala. Avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, je vous prie, je vous sollicite énormément d'utiliser la recette rien que pour votre bien, rien que également pour vos avancées, inshallah ta'ala. Donc c'est aujourd'hui là que je vais m'arrêter et je vous prie de partager au maximum possible la vidéo, inshallah ta'ala, et de vous abonner également si c'est pas encore fait. Je n'oublie pas de remercier les gens qui sont déjà abonnés ici et qui suivent tous les jours nos vidéos. Voilà, il y en a des gens qui commentent à chaque fois, les gens qui prient pour moi, les gens qui discutent du bien. Là, je pourrais pas citer tout le monde, mais sachez que je vous porte également au cœur et je vous oublierai jamais à travers mes doigts, incha'Allah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.